Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo What's on my phone. Je vais vous présenter des applications que je trouve utiles, pratiques ou que j'aime bien. Je vous avais demandé sur Snapchat il y a quelques temps de me dire quelles étaient vos applications préférées et ça m'a permis d'en découvrir certaines et aujourd'hui c'est à mon tour de vous les partager. Bon évidemment je vais pas vous parler des applications que tout le monde connaît du genre Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook. Évidemment vous pouvez quand même aller me suivre sur ces réseaux sociaux. Pour cette vidéo je filme en extérieur dans mon hamac nature et découverte, je trouve le cadre vraiment agréable. J'espère que ce décor vous plaira. Et pour une prochaine vidéo, on va faire un sondage. Je vais vous demander de mettre un pouce vers le haut si vous voulez voir une autre vidéo où je vous présente des applications. Et de mettre un pouce vers le bas si vous voulez voir une vidéo comment j'édite mes photos Instagram et quelles sont les applications que j'utilise pour éditer mes photos Instagram. Donc ne vous inquiétez pas si cette vidéo a plein de pouces vers le bas. Ça voudra tout simplement dire que vous voulez voir une vidéo comment j'édite mes photos Instagram. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. La première application dont je vais vous parler, elle s'appelle Ticker Événements. C'est une application qui permet de faire des comptes à rebours pour vos événements. Moi, j'ai rentré par exemple la date des prochaines vacances, de Noël et de mon anniversaire et l'application va se charger de compter le nombre de jours qui me restent jusqu'à ces événements. Donc c'est une application qui est certes gadget mais qui est bien utile. En plus on peut personnaliser les fonds d'écran pour nos événements et je la trouve vraiment pratique et originale. L'application suivante, elle s'appelle Videa. C'est une application qui permet tout simplement de voir le nombre d'abonnés des youtubeurs que vous suivez. Donc moi ça me permet de voir que j'ai aujourd'hui 27 488 abonnés sur YouTube. L'application suivante, c'est Pinterest, c'est très connu. C'est une application pour ma part qui me sert à trouver des idées de recettes, de snacks, de DIY. J'adore cette application parce que justement on trouve plein d'idées et ça me donne beaucoup d'inspiration. Et c'est aussi une application avec de jolies photos, un peu comme Instagram. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à Pinterest si vous ne connaissez pas encore. L'application suivante, c'est Vesco. C'est une application qui permet de retoucher ses photos. Donc c'est vraiment pratique, par exemple pour retoucher vos photos pour Instagram. Vous pouvez choisir d'appliquer des filtres à vos photos, choisir l'intensité. Vous pouvez aussi directement régler, par exemple, le contraste ou même l'exposition. Vous pouvez recadrer vos photos, améliorer leur température, la teinte et tout plein de paramètres. Donc c'est une application que je trouve vraiment très pratique. L'appli suivante s'appelle Sketch, c'est tout simplement une application qui permet de faire du dessin, donc vous pouvez juste dessiner avec votre doigt sur votre écran. Donc pour les gens qui aiment dessiner, ça peut être pas mal. Bon, moi je ne sais absolument pas dessiner, donc ça donne pas grand chose, mais voilà un peu le concept. L'application suivante s'appelle Giftree, je la trouve géniale, c'est tout simplement une application qui permet de créer des wishlists parce que je sais pas vous mais moi j'ai toujours des idées de petites choses que j'aimerais avoir. Par contre quand on arrive à Noël, je n'ai plus aucune idée. Du coup je trouve cette application plutôt pratique parce que quand vous avez une idée, vous avez juste à la rentrer dans l'application et vous pouvez même partager votre wishlist avec votre entourage à l'aide d'un lien. Donc c'est vraiment pratique pour leur donner des idées de cadeaux qui vous feraient plaisir. La plus suivante, elle n'est pas vraiment utile, mais elle est rigolote, c'est SimSimi. Vous avez un petit bonhomme, un petit personnage qui vous parle. Vous pouvez lui parler par message et en fait, il va vous répondre en fonction des réponses que les autres utilisateurs lui ont apprises. Vous pouvez avoir de vraies conversations avec lui, mais qui sont souvent un peu bizarres ou rigolotes. Je vous conseille d'essayer, vous allez voir, c'est assez rigolo. L'application suivante que je vais vous présenter, elle est très pratique et très utile, elle s'appelle Scanner. Le principe est tout simplement d'utiliser votre téléphone comme un scanner. Ça va permettre de scanner vos documents papier pour les conserver sur votre téléphone directement grâce à votre appareil photo. Et franchement, c'est hyper pratique parce que c'est comme si vous scanniez avec un vrai scanner. Et moi, je m'en sers principalement quand j'ai des papiers à scanner pour les envoyer par mail par exemple. Franchement, c'est une application qui me sert très régulièrement. Et enfin, la dernière application dont je veux vous parler, elle s'appelle Too Good To Go. C'est une application que je trouve géniale. Le principe, c'est de lutter contre le gaspillage. Et cette application va tout simplement vous proposer une liste des restaurants partenaires proches de chez vous qui, pour lutter contre le gaspillage, vont vous proposer leurs plats à moitié prix ou avec de grosses réductions. Donc vous pouvez choisir votre restaurant, commander une portion qui correspond par exemple à un menu. Les prix sont d'environ 4€ pour des menus qui sont en général entre 10 et 15€, donc ça fait de grosses réductions. Ça vous permet de manger restaurant chez vous et à faible prix et aussi de découvrir de nouveaux restaurants qui sont proches de chez vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir pu vous faire découvrir de nouvelles applications utiles et pratiques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos applications préférées. N'oubliez pas que vous pouvez voter avec les pouces en l'air et les pouces vers le bas pour choisir une des prochaines vidéos. Mettez un pouce vers le haut si vous voulez voir une autre vidéo où je vous présente des applications que j'ai sur mon téléphone. Et mettez un pouce vers le bas si vous voulez voir une vidéo comment j'édite mes photos Instagram et quelles applications j'utilise pour éditer mes photos Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas que tu peux cliquer ici et ici pour voir mes autres vidéos. Allez, clique! Bon, tant pis.